j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me prépare avec vous et on va blablater un petit peu, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc, j'ai déjà fait mon teint. Je vais vous montrer avec quoi j'ai fait mon teint. J'ai testé la CC Crème It Cosmetics. C'est celle-ci. Je teste. Écoutez, pour l'instant, elle n'a pas l'air d'être trop mal. Ça n'a pas l'air de marquer mes zones de sécheresse. C'est en quelle teinte, ça? C'est en teinte médium. J'ai utilisé donc la palette L'Oréal Infaillible Total Cover. J'ai utilisé ici en anti-cerne. Je teste également la Nude by Nature en teinte numéro 4 Silky Beige. C'est celle-ci. C'est une poudre libre. Je dois avouer... pour moi, trop, je sais pas, trop foncé, trop, voilà, je sans plus, voilà, je suis pas convaincue. Ça fait déjà plusieurs fois que je mets cette poudre. Je trouve qu'elle, elle est volatile. En même temps, elle s'applique pas bien comme il faut. Ensuite, j'ai donc fait mon contouring avec la palette de Make Up Revolution London Blush Palette. C'est cette palette là, c'est la Hot Spice. Je vais vous montrer dedans. J'ai fait mon contouring avec celui-là et j'ai le blush que j'ai utilisé, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai voulu mettre un petit peu d'highlighter et j'ai utilisé celui-ci. Voilà, c'est assez léger, ça va. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais tester, parce que je n'ai encore pas eu l'occasion de la tester, la palette Make Up Revolution London, c'est la Forever Flawless Optimum, c'est celle-ci. Et je vais montrer... Alors, je ne sais pas, l'inspiration, comme je vais rester à la maison, je ne vais pas sortir. Par contre, j'ai plusieurs vidéos à tourner derrière, donc... je vais faire quelque chose d'assez léger, mais en même temps un petit peu soutenu pour l'automne. Voilà, tout en sachant que c'est pas évident de se maquiller quand on a une frange. Hein. Je dois avouer que j'essaye de me débarrasser de cette frange depuis des années, mais il n'y a rien à faire. Donc je vais faire mon creux avec la PIC. C'est celle-ci, là. Alors. Donc mes amis, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos comme ça, blabla. Et j'avais plein de choses à vous dire. Je sais plus par quoi. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, en fait, vous savez que j'ai quitté le Var, que je suis dans la Creuse avec mon mari. On a acheté une petite maison. Que ma grande fille est aussi à 6 minutes de chez moi. Donc, elle est partie... aussi du Var, parce qu'elle était comme moi, elle se plaisait pas. Alors il y en a qui vont me dire, mais comment tu fais pour pas te plaire dans le Var? Ben non, j'ai pas aimé, j'ai surtout pas aimé la mentalité. Pas évident, mais c'est comme ça. J'ai pas aimé la mentalité. Alors, je vais tester, je vais essayer celle-ci, le Own, que je vais mettre ici, en paupière. Pas mal pimenté, hein. Et puis alors pas poudreux, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus poudreux que ça. Non. Alors, en fait, quand vous avez les paupières tombantes, il faut toujours essayer de monter toujours un tout petit peu plus haut. Parce que malheureusement, et ben sinon ça ne se voit pas. Et donc, comme je vous disais, donc on a déménagé et on avait envie de campagne, on a envie de s'acheter notre petite maison et puis à l'âge où on est, on disait si on le fait pas, on le fera jamais. Et voilà, donc l'opportunité s'est présentée. Il s'est avéré qu'au départ, il y avait un autre projet professionnel, c'est-à-dire que on devait travailler à distance avec mon ancien employeur. Or, au fil des mois, il s'est avéré que c'était plus possible. Ensuite, j'ai demandé un licenciement économique
Ce n'était plus possible non plus au bout d'un, pas tout de suite, hein, parce qu'on ne vous le dit pas tout de suite, hein, on vous laisse traîner, vous inquiétez pas, on va s'arranger, on va vous aider, on ne vous laissera pas tomber, vous inquiétez pas, patin, enfin, résultat des courses, vous vous retrouvez à qu'on vous dise que finalement ce n'est pas possible, que l'épouse étant arrivée après vous, ben, évidemment, vous ne pouvez pas vous licencier. Enfin, c'est un petit peu de poids et trois mesures, mais bon, à un moment donné, vous vous retrouvez à vous demander si on ne s'est pas un peu foutu de votre gueule. Et puis, ben, à un moment donné, je me suis retrouvée coincée parce que j'avais signé le compromis d'achat de ma maison. Et je me retrouvais à... Qu'est-ce que je fais? Je démissionne, mais si je démissionne, je n'ai plus rien. Du coup, on a négocié une rupture conventionnelle. Ça, au moins, ça a été accepté. Donc, autant vous dire que je n'étais pas très contente. Parce que, comme on dit, on m'avait fait beaucoup de promesses qu'on n'a pas tenues. Mais ça, c'est souvent, hein, chez beaucoup d'employeurs, c'est comme ça. On vous promet beaucoup de choses, mais on ne vous donne jamais rien. Par contre, on vous dit, on compte sur vous, hein, vous donnez à fond et tout. Vous inquiétez pas, on trouvera des solutions pour vous. Puis, je dois avouer que je l'ai eu un petit peu là, quoi. Hein. Donc, ça a été dur pour moi, ça a été un peu dur à avaler. D'autant que les mois se sont passés, j'ai fait mon temps, j'ai déménagé, mais que personne à l'agence, personne ne m'a appelé pour me dire, alors ça s'est bien passé votre déménagement, alors machin. Donc, vous avez été consciencieuse dans votre travail, vous avez toujours été sérieuse, vous avez toujours... Et puis en fait, on n'a rien à foutre de vous, on se sert de vous, on vous utilise, et une fois qu'on vous a bien pressé comme un citron, à la limite, au suivant. Allez. Alors bon, moi, ça fait 39 ans que je fais ce métier, donc j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des patrons extraordinaires, j'ai eu des collègues extraordinaires. Le dernier poste, je n'ai aucun regret d'être partie finalement. À la limite, si j'avais su, je serais peut-être partie même plus tôt. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je vais tester. On va faire un petit, 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 petit. Oui. Je vais essayer celui-là. Allez, on va se lancer dans quelque chose d'un peu plus waouh. Celui-là. Là. Là. Qui s'appelle Advantage. Il me paraît crémeux, je ne sais pas si ça va s'appliquer comme il faut, que je vais mettre ici. Ma foi, très sympa. Ça se mélange bien. Ça se mélange pas mal même. Regardez, ça se mélange pas mal. Je vais en remettre un peu. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Eh ben, je me suis dit, eh ben, écoutez, l'occasion fait le larron, je m'en vais et puis je vais trouver peut-être quelque chose, soit créer une entreprise, soit. Et puis c'est avéré que j'ai eu des soucis de santé. Voilà. Donc les choses se sont pas arrangées comme je voulais tout de suite. Donc j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me lance dans la création d'entreprise? Est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je fais? Ben, écoutez, j'ai mis tout ça en stand-by. Et puis, j'ai commencé à faire tous les examens nécessaires. J'ai été voir un chirurgien orthopédique parce que je me suis fait une entorse il y a 2 ans. Très vilaine entorse. Je n'ai pas été plâtrée, j'ai rien eu, j'ai fait des radios, des échographies, des trucs et des machins. Puis évidemment, on me dit, non mais, vous savez, on ne peut rien faire pour vous. Hein. J'ai un ligament sectionné, mais on ne peut rien faire pour vous. Ni kiné, ni ostéo, ni rien du tout. Et j'ai de plus en plus de marge à marcher, et j'ai de plus en plus de marge. Enfin bref, ça a été en crescendo. Et je me suis dit, quand j'arriverai en Creuse, c'est clair, je me prends en main et je me soigne. Je fais un bilan sanguin, je fais tout ce que j'ai pas eu le temps, parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours privilégié ma carrière professionnelle à ma santé et à ma vie. Donc aujourd'hui, j'ai 57 ans, il est temps que je pense à moi, avant d'aller dans la tombe, hein, on est d'accord. Donc j'ai décidé de me prendre en main, j'ai fait tous les bilans sanguins, et dernier bilan sanguin, tombe,
J'en ai fait un premier, on va faire un deuxième bilan. Je suis diagnostiquée diabétique de type 2. Alors, autant dire que j'ai eu du mal à l'avaler, celle-là aussi. Hein. Donc, je me suis retrouvée à avoir un peu de diabète. Donc, être obligée de se piquer pour aller voir si le taux est pas haut, pas bas, pour machin. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je refuse ça, je refuse. En plus, on m'a prescrit un médicament que je ne supporte pas. Je suis malade, ça me provoque des problèmes au niveau des intestins, c'est catastrophique. Ça coupe l'appétit, ah ça c'est pour ça, c'est radical, j'ai déjà perdu 4 kilos, donc ça c'est très très bien. Sinon, ben, ça s'appelle le metformine, hein, donc comme ça, une saloperie de merde encore. Et j'ai été rencontrer un chirurgien orthopédique pour ma cheville. Et j'ai aussi, j'avais des crises que je croyais, que tout le monde me disait, mais le corps médical me disait dans le Var. Mais c'est de l'arthrose, madame, c'est de l'arthrose, vous ne pouvez rien faire. C'est de l'arthrose. Un jour, ben, il faudra peut-être mettre une prothèse. Bah oui, ben, je ne suis pas la seule, je ne suis pas la première ni la dernière. Et puis, il s'avère que le chirurgien orthopédique regarde mes radios, regarde mon IRM, que j'ai fait à la Casamance à Marseille, qui sont très bien à la Casamance. Et puis, il me dit, non mais madame, je ne vais pas opérer. Là, je me dis, mais chirurgien orthopédique qui n'opère pas, c'est rare. Les chirurgiens, en principe, ils aiment bien opérer. Et là, il me dit, mais moi, je ne vais pas vous opérer. Votre cheville, elle est mobile. Vous allez avoir besoin de muscler votre cheville, de reprendre confiance. Parce que j'avais tellement peur de me retordre la cheville, de faire quelque chose, que je n'osais plus marcher. Dès que je me fatiguais, que dès que je marchais trop longtemps, j'avais mal. On a mis des semelles orthopédiques, ça m'a un petit peu soulagée, mais ça n'avait rien fait. Et lui, il me dit, mais madame, il faut reprendre confiance en vous, et puis je vais vous envoyer auprès d'un ostéopathe. Et on verra, on se revoit en février. Mais il n'y a pas besoin d'opérer. Ah ! Et donc, pour tout, je reviens un petit peu à mes moutons. Donc, évidemment... on me sort qu'il n'y a pas besoin de se faire opérer. Donc ça, je peux vous garantir que quand vous apprenez que finalement, vous n'avez pas besoin d'être opéré, c'est magnifique. Donc, je rentre de ma consultation du chirurgien orthopédique. Et je prends rendez-vous chez l'ostéo. Et du coup, je rencontre ce monsieur, très sympathique, au demeurant. Alors, je vais mettre un petit peu de feutre liner de My Little Beauty, virgule. Il est assez sympa. Voilà. Ensuite, je vais finir avec le mascara. Alors, ce mascara, c'est un mascara que j'aime beaucoup, c'est le Yves Saint Laurent. Alors, si j'arrive à lire, j'arrive pas à lire, j'en sais rien. Vous le connaissez peut-être, c'est celui-ci. Il a une grosse brosse. Voilà. J'aime bien. Voilà. On va mettre un petit peu, hein. Juste un peu pour dire. Alors, j'ai pas utilisé le recourbe cils parce que je trouve que celui-ci recourbe très bien les cils au niveau du mascara. C'est vraiment un très très bon mascara. Il fait son effet quand même. Hein. Le mascara est mis. Je vais juste faire un petit peu mes sourcils. En sachant que je vais probablement sous peu faire tatouage des sourcils. J'attendais ça depuis très très longtemps et je vais le faire. Donc, faut que j'aille à Limoges pour ça. Je fais ça léger parce que moi, les sourcils, c'est pas ce qui manque chez moi. C'est un peu clairsemé ici à l'avant là. Mais voilà, c'est pas.
J'ai pas besoin de grand chose. Et voilà. Voilà. Je vais mettre une petite touche de lumière ici. Une petite touche de lumière ici. Et voilà. Je n'ai pas mis de crayon noir à l'intérieur de ma muqueuse parce que bon, je n'ai pas jugé nécessaire, je suis à la maison, je ne vais pas faire quelque chose de trop. J'ai terminé avec, avec le rouge à lèvres et j'utilise, si vous voulez, le Kiko Lip Pencil Smart Fusion et c'est la teinte 515. Et le rouge à lèvres MAC, c'est le numéro A49, il s'appelle... Je verrai peut-être mieux là-dessus. Alors, c'est le 707 Ruby. Wow. Regardez comme il est beau. Donc voilà, le rouge à lèvres est mini. Je trouve assez sympa ce petit make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour terminer ma petite histoire, juste pour vous, c'est que je vais voir l'ostéopathe et qui me dit, bah écoutez, franchement, je comprends pas qu'on vous ait pas orienté avant. Ils ont fait tout à l'envers. Quand on fait une entorse, on va directement voir un ostéopathe. On fait une radio, on va chez, pour voir s'il n'y a rien de cassé. Ensuite, on va chez l'ostéopathe. Et puis, il y a longtemps que vous n'auriez plus rien. Il y a longtemps que, parce que votre cheville, elle est mobile, vous êtes coincé, tout est coincé. Et puis, vous avez compensé. Donc, c'est pour ça que vous avez mal à l'intérieur du pied, à l'intérieur de la cheville, que vous avez mal à votre genou. Et contrairement à ce que vous pensez, il m'a touché la rotule, il a tourné tout. Il m'a dit, vous n'avez pas d'arthrose. Mais du tout, vous n'avez pas d'arthrose. Bon, ça craque un peu, mais c'est pas grave à votre âge. C'est très bien. Je fais ma première séance, qui n'est pas plus tard qu'hier. Et je ressors de là, mais il m'a dit que j'allais me reposer parce qu'il a touché le pied. Il est remonté le long de la jambe. Il a fait le genou. L'autre pied, et il m'a fait les cervicales. Septième cervicale, nouée, bloquée. Il m'a dit, moi, l'ordonnance que le médecin vous a donnée, je ne vais pas suivre ça, je vais faire ça selon moi. Vous me faites confiance? Ok. Mais je peux vous dire une chose, une séance, hein. J'en ai encore peut-être deux, trois. On m'a prescrit 12 séances de kinésithérapie. Là, une séance, déjà, je peux marcher, j'ai plus mal. Par contre, hier, j'avais très mal au genou. Ce matin, plus rien. Là, c'est nickel. Je me dis, c'est un miracle. C'est un miracle. Si j'étais restée dans le Var, peut-être qu'on m'aurait opéré du genou, on m'aurait mis une prothèse. On voulait me faire faire des infiltrations. L'ostéopathe, il faisait des bons quand je lui ai dit ça. J'ai dit, oui, on veut me faire faire des infiltrations. Mais il n'y a pas besoin d'infiltration. Pourquoi faire? Enfin, voilà, le corps médical voulait faire confiance, mais finalement, ça fait très peur. Donc, la conclusion, je suis très ravie, je suis hyper heureuse, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me faire opérer, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est que je suis suivie par un ostéopathe qui est à 10 minutes de chez moi, il est comme ça. C'est top, je suis hyper contente, hyper heureuse. Voilà les petites choses, je vous ai raconté mes mésaventures au niveau du boulot. Aujourd'hui, j'ai décidé de profiter. J'entends déjà des gens crier dans les chaumières. Profiter de la situation de chômeuse pour réfléchir à ce que je veux vraiment.
Est-ce que je veux reprendre le travail? Est-ce que je veux me créer mon entreprise comme je l'avais pendant 3 ans précédemment, il y a 10 ans? Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire me donner à fond pour avoir rien et passer mon travail en priorité par rapport à ma santé, à ma vie et à ma famille. Voilà, ça c'est clair, je ne veux plus. Parce qu'on nous fait croire que finalement c'est ça la vie. Non, c'est pas ça la vie. Et puis on vous fait culpabiliser. Vous vous rendez compte, elle est au chômage. Elle profite de la société. Elle profite du système. Alors je remets les pendules à l'heure. Pendant 39 ans, j'ai cotisé. 39 ans où j'ai cotisé pour une assurance chômage. Quand vous êtes assuré en voiture, quand vous cassez la votre voiture, vous êtes content de pouvoir vous faire rembourser. Quand vous êtes assuré pour votre maison, quand il y a un incendie, un gars des eaux, n'importe quoi, vous êtes content de pouvoir vous faire indemniser. Quand vous êtes assuré en santé, complémentaire santé, vous devez changer vos lunettes, que vous devez vous faire opérer, vous êtes content d'avoir une complémentaire santé. Et vous êtes content d'avoir la sécu. Pourquoi il y a tant de tabous sur les assurances chômage? L'assurance chômage, vous cotisez. Moi, c'est 39 ans de cotisation. Si on réfléchit, 39 ans de cotisation, j'ai droit à 3 ans de chômage. 3 ans parce que j'ai plus de 55 ans. Donc d'autres ont pu profiter, si on peut appeler ça, de mes cotisations pour pouvoir aller se faire rembourser leur chômage. Donc aujourd'hui, je ne supporte pas les gens qui puissent dire « elles profitent de la société ». Parce que non, je ne profite pas de la société. J'ai cotisé, j'ai droit. Et encore, c'est pas beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous arrivez à mon âge, à 57 ans, que vous postulez à des postes, vous pouvez trouver du travail. Oui, vous pouvez, mais il ne faut pas rêver. Vous êtes au chômeur, vous êtes chômeur, même si vous avez 30 ans, 35 ans de métier, on vous paye au SMIC. Vous redescendez tout en bas de l'échelle, avec une expérience. Vous pourriez faire le travail de l'agent général, parce que c'est mon cas. On ne vous demande pas votre avis. Ben, c'est ça ou le chômage. Hein. Fermez votre gueule. Bien gentil qu'on vous emploie. Surtout à votre âge, vous vous rendez compte, à votre âge. Alors, c'est vrai que je suis un peu aigrie. Je suis un peu aigrie, je suis un peu dégoûtée. Parce que j'étais censée faire du télétravail avec mon ancien employeur qui m'avait fait des promesses. Vous inquiétez pas, je trouverai des solutions. Ah ouais, laquelle? Je l'attends toujours. À savoir qu'aujourd'hui, mon ex-collègue de travail ne prend jamais contact avec moi, ne m'envoie jamais un coup de fil. Je l'ai sur Facebook, hein. Personne ne m'écrit, personne ne m'envoie un coup de fil, rien du tout. En fait, tout le monde a fait semblant. C'est de l'hypocrisie. Et quand vous voyez ça, vous dites, c'est terminé, c'est terminé. Moi, c'est fini. J'ai confiance. Comment pouvez-vous avoir confiance? C'est fini. Alors, je suis vraiment déçue de cette attitude. Vraiment. Alors, je sais qu'ils passeront peut-être par là. Je les salue. Et je me dis que peut-être qu'ils réfléchiront, ou pas, sur profiter des collègues, profiter de la gentillesse des gens. Parce qu'à un moment donné, ils seront confrontés à la réalité de la chose, c'est que personne n'est irremplaçable. D'ailleurs, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. C'est sûr, il y a des gens difficiles à remplacer. Mais voilà quoi, je veux dire, moi je m'attendais vraiment à ce que ça paraisse vraiment de l'amitié. Moi je pensais qu'il y avait de l'amitié, qu'il y avait, je me suis mais vraiment plantée. Je pensais au moins un petit coup de fil. Allez, 10 jours après avoir déménagé, peut-être pas tout de suite. Alors, Nina, parce qu'on me surnommait Nina. Bah alors Nina, ça s'est bien passé votre déménagement, ça va, c'est pas trop difficile avec la canicule, tout ça, machin. Rien à foutre, vous êtes partis, allez au suivant.
On n'a rien à foutre de vous, mais rien à foutre. Alors qu'on vous a dit, oh, tu vas nous manquer, oh, mais ça va me faire drôle de ce que tu sois plus là, nanana. Ah ouais, c'est que du cinéma, c'est que de la comédie, c'est que d'hypocrisie, voilà. Mais ces personnes-là, un jour ou l'autre, que ce soit employeur ou collègue, il y aura le retour de bâton. Parce que c'est comme ça, voilà. En tout cas, voilà, je voulais un petit peu vous dire un peu mon point de vue. Aujourd'hui, je suis, voilà, j'ai repris une vie sereine, calme. J'ai plus de stress. Je vis bien dans ma maison. On est en train de terminer. On a beaucoup de choses encore à faire parce que une vieille maison, il y a encore de l'entretien. Ça se fait pas comme ça. On n'est pas tout jeune et on n'a pas papa, maman pour nous aider. Voilà, donc on fait les choses au fur et à mesure. Et puis je me suis laissé du temps jusqu'au mois de janvier pour voir l'évolution de ma cheville, comment ça va se passer. Et puis, je vous raconterai parce que j'ai des projets, j'ai pas mal de projets. Donc voilà, pour l'instant, je pense à moi, après on verra. Donc, écoutez, ce petit blabla, make-up, chit-chat, vous donner de mes nouvelles, etc. est terminé. Je vous fais de très gros bisous. C'est rare que je fasse un vlog, c'est rare que je blablate comme ça. Mais j'avais envie un petit peu de vous raconter un petit peu ce qui s'était passé ces derniers mois. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.